plein de merveilleux, mais qui m'ont marqué. Un livre de Jack Black, Personne ne gagne. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré parce que c'est un livre sur la rédemption. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, par le fait de la vie, par sa condition, il a été voleur toute sa vie, il a commis des méfaits toute sa vie, sans tuer personne, mais il avait un fond extraordinaire. Et toute sa vie, on le voit passer de prison en larcin, en vol et tout ça, et on s'attache à lui. Et à la fin, c'est la rédemption totale, quoi. Et c'est quelqu'un qui lui fait confiance à la fin, il ne veut pas trahir cette confiance. En fait, c'est quelqu'un de bien qui a été forcé à voler toute sa vie. Si je pouvais parler à un auteur, je parlerais à Victor Hugo. Parce que pour moi, évidemment, pour tout ça, mais c'est parce que c'est l'auteur préféré d'un de mes amis préférés, meilleurs amis. Et je pourrais lui dire, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai parlé à Victor Hugo. Et je pense que, comme c'est un super ami, il ne serait pas jaloux, il pleurerait de joie pour moi. L'envie de vivre mieux, l'envie d'être plus heureux et l'envie de lâcher un petit peu le sac à dos que j'avais depuis le début de ma vie, quoi. Voilà. Donc j'ai réussi avec ce livre à en laisser un petit peu par terre là. C'est comme un prisonnier qui remplit ses poches de terre pour creuser le tunnel et pendant la promenade qu'il les lâche après. Voilà. Et ce livre, ça a été la promenade.